Le sujet de ce soir, un sujet qui rend votre présence ici encore plus admirable sans que vous le sachiez encore, mais vous n'allez pas tarder à vous en apercevoir, parce que c'est certainement de toutes les causeries que je suis obligé de vous faire cette année la plus ennuyeuse. Je peux déjà, pour vous consoler et éviter pour la prochaine fois un vide sidéral, vous annoncer que le sujet sera plus intéressant. Moi, hélas, mais le sujet sera plus intéressant puisque je serai appelé à vous parler d'un des plus grands théologiens de l'Église primitive, saint Irénée. Et à propos de saint Irénée, je serai amené, bien sûr, dans une première partie, à vous présenter la plus buissonnante, touffue et luxuriante hérésie de tous les temps, car elle dure encore de nos jours, à savoir la gnose. Naturellement, c'est un sujet immense et qui à lui seul demanderait une dizaine de conférences. Je l'esquisserai et je vous apporterai aussitôt après l'antidote avec saint Irénée, qui est un peu saint Georges, essayant de terrasser, sans succès d'ailleurs, ce dragon. Et la fois suivante, je vous parlerai de Tertullien, le bouillant Tertullien, qui, évidemment, pour ceux qui sont un tout petit peu au courant, est un auteur séduisant par sa fougue et ses excès même. Aujourd'hui, je dois vous parler des pères apologistes. Ce nom, apologiste ou apologète, ce nom sans doute n'évoque pas grand-chose pour vous, et je le comprends, car il n'y a pas là de grands noms, de grands écrivains, de spiritualité fascinante. Ce sont les apologistes, des avocats. Le nom en grec correspond à ce que nous disons avocat. Alors certes, la profession est glorieuse et indispensable, mais il n'y a même pas là un maître dont le nom prestigieux pourrait compenser ce que cette profession peut avoir d'un tout petit peu suspecte quand, eu égard à la vérité. Je vais m'en expliquer tout de suite. Ce sont d'honnêtes avocats, les premiers, et à ce titre attendrissants, sympathiques, et j'espère vous les rendre quand même intéressants. Mais ce ne sont pas des esprits de première grandeur, et ce ne sont pas non plus de grands théologiens. Cependant, il y a parmi eux un saint, S-A-I-N-T, qui a été canonisé parce que il a mis, pour reprendre une expression qui est chère à certains d'entre nous, sa peau au bout de ses idées, et il est mort pour sceller de son sang la véracité de sa plaidoirie. Saint Justin est mort martyr. Les apologistes, ce sont donc des avocats qui vont présenter la défense du christianisme commençant, qui a tout de suite été attaqué. Mon propos va se répartir de la manière suivante. Je vais d'abord vous donner les grandes lignes du sujet, et ensuite je reprendrai un certain nombre de points qui me paraissent importants pour les présenter globalement. Je ne m'attarderai pas à des monographies ce soir sur tel ou tel. Cependant, je vous dis tout de suite que l'essentiel de mon propos se répartira essentiellement sur saint Justin d'une part, et d'autre part sur un texte qui n'a pas de nom d'auteur, qui est anonyme, mais qui n'en est pas moins beau. C'est la fameuse épître à Diognète. Ces avocats vont donc présenter la défense, une défense personnelle, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils vont défendre la vie de leurs clients,
leurs frères chrétiens, leurs biens, oui, leurs biens matériels, leurs biens spirituels, et leur réputation. Et ils vont défendre aussi la doctrine contre des attaques et contre des objections. Cette défense se heurtera à des lois, enfin un système juridique qui est éminemment défavorable au christianisme, puisque mort s'ensuit parfois. Ces apologistes se divise traditionnellement, et pardonnez-moi, je suis là à un niveau très élémentaire de ces propos, mais peut-être le sujet n'est-il pas très familier à certains d'entre vous, en apologistes grecs, c'est ceux dont je parlerai ce soir. Parmi eux, Aristide, Saint Justin, Tatien, T-A-T-I-E-N, Athénagore, Théophile d'Antioche et l'auteur mystérieux de l'épître à Diognète. Ce sont les principaux, il y en a d'autres. Et puis il y a les apologistes latins, dont je ne parlerai pas ce soir, peut-être un jour, mais qui sait. Minucius Félix, le charmant Minucius Félix, l'homme du monde de cette cohorte d'avocats, et Tertullien. Tertullien qui me permettra de terminer l'année. Leurs adversaires sont de deux sortes. Les juifs et les païens. Les juifs, tout de suite, se sont attaqués aux premiers chrétiens. Ils ne pouvaient pas les persécuter directement. Ils avaient réussi du premier coup, si j'ose dire, leur coup de maître en faisant crucifier notre Seigneur. Mais après, ils n'avaient pas le pouvoir, pas le pouvoir de mettre à mort. Alors ils se sont ingéniés à répandre des bruits, à provoquer des mouvements d'opinion, des mouvements populaires, presque des pogroms. Mais oui, ce sont eux les auteurs des premiers pogroms contre nous. Et ils ont réussi, par leur calomnie, par leur haine, à provoquer de très gros ennuis, c'est un euphémisme, aux premiers chrétiens. Et puis les païens, qui sont naturellement les adversaires les plus nombreux, et qui aussi croyaient avoir des griefs contre les dits chrétiens. On répartit aussi ces écrits apologétiques ou apologistes en suppliques qui s'adressent à l'empereur, généralement, pour lui présenter une requête ou une justification, à des magistrats, ce sont des plaidoyers proprement dits à ce moment-là, et puis en écrits qui s'adressent alors à la foule des païens, ou à certains adversaires, pour les convaincre. À une foule anonyme, collective, comme toute foule, pardon, ou bien à des individus qui sont pris comme interlocuteurs nominales, mais qui en fait ne représentent qu'une fiction littéraire pour présenter à un interlocuteur une défense. Par exemple, Diognète, le destinataire de cette lettre dont nous parlerons tout à l'heure. Il y a aussi, pour distinguer entre ces pères apologistes, un autre critère. Je crois pouvoir dire que parmi les avocats, il y a des styles différents. Il y a l'avocat qui, avec sérénité, expose les faits et s'attache à partir du dossier paisiblement ouvert et avec une grande apparence de sincérité étalée devant les juges à faire éclater l'évidence. Ainsi,
Lysias, devant les tribunaux d'Athènes, plaidait pour l'invalide ou pour tant d'autres de ses clients, et vous savez, pour avoir rencontré autrefois dans quelques versions grecques les textes de Lysias, qu'ils sont empreints d'une sérénité dite attique. C'est la main tendue, c'est la paix que l'on essaye de faire avec l'adversaire. Ainsi Saint-Justin. Il y a des avocats dont le style est tout à fait différent, qui jettent feu et flamme, qui bombardent l'adversaire d'injures, d'invectives, le détruisent, le démolissent, le dépiotent, le rendent sanguinolent et pitoyable devant le tribunal, qui devant cette charpie n'a plus que de la répugnance et naturellement acquitte le client qui n'a plus personne en face de lui. L'avocat toute griffe dehors, qui injurie l'adversaire par tous les moyens. Nous avons cela aussi parmi les apologistes. Parmi les apologistes grecs, il y a Tacien. Parmi les apologistes latins, il y a Tertullien. Rappelez-vous Démosthène, s'en prenant à Échine dans le fameux discours sur la couronne. J'ai fait exprès de rappeler vos souvenirs, pas si lointains, de version grecque de la guerre. Et vous vous rappelez comment Démosthène allait chercher dans le ruisseau, dans des commérages épouvantables, les injures les plus effroyables contre son adversaire, qui de son côté d'ailleurs ne l'avait pas ménagé. Il y a un certain plaisir, paraît-il, à entendre ainsi des champions de l'injure échanger leurs meilleurs coups, et les apologistes ont éprouvé ce plaisir. Je pense qu'en écoutant quelques pages de Tertullien, vous serez pris d'une sorte de plaisir que peut-être éprouvent les gens qui assistent à des course de taureaux ou à des combats de coq. Enfin, c'est le sang coule. Et puis il y a aussi des avocats qui chantent la romance avec un tel art que tout le monde pleure, que c'est attendrissant, qu'on est séduit par le lyrisme de ses propos, et alors dans un attendrissement général, on acquitte, bien sûr, parce que l'on est séduit, conquis par la séduction. Nous avons, parmi les apologistes, un écrivain qui a ainsi merveilleusement chanté, séduit l'auditoire, le lecteur. C'est l'auteur de la lettre à Diognète, dont vous verrez tout à l'heure à quel point il est séduisant. Dans les trois cas, jamais la vérité n'est altérée. Jamais un avocat ne se permettrait de dire quelque chose qui ne soit pas tout à fait exact. Ils ne disent jamais la même chose, et on ne peut pas non plus peut-être se fier exactement à la lettre de leur discours pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Je ne pense pas que sur les affaires qui ont intéressé Démosthène et Échine, l'historien puisse faire fond entièrement sur les propos merveilleusement contradictoires de deux avocats qui plaidaient le même dossier. Et il faut, à travers simplement une présentation, essayer de voir ce qui est tout à fait la vérité. Et là, vous voyez, j'atteins les limites de ces écrivains religieux que je vais vous présenter ce soir. Ce sont des avocats qui défendent la bonne doctrine. Ils ne disent pas d'erreur. Ils ne se permettraient pas, bien sûr, d'altérer le dossier de la théologie et de la vérité révélée par notre Seigneur. Mais s'il y a, à leur détriment, un léger, pas discrédit, mais une sorte d'ignorance, c'est que, je ne sais pourquoi, on se méfie un peu des assertions qui sont orientées dans un esprit
de combat, même si c'est pour défendre la bonne cause, on a l'impression que ce n'est pas là tout à fait qu'on trouvera l'expression rigoureuse et immédiatement crédible de la vérité. Il y a en effet, dans ces plaidoyers, une merveilleuse habileté, une feinte ingénuité, qui en font d'excellents avocats, mais il faut savoir lire et compléter ce qu'ils disent et voir aussi ce qu'ils ne disent pas. Et pourquoi ? Je n'entreprendrai pas, bien sûr, ce soir, de rétablir la vérité dans chaque cas, mais je voulais simplement vous expliquer que ces textes sont extrêmement intéressants par l'atmosphère de combat, de défense, quelquefois dramatique, qu'ils évoquent, mais que ce ne sont pas des évangiles, ce ne sont pas des exposés d'historiens, philosophes, qui passent pour dire la vérité avec plus d'impartialité et de sérénité. Le contenu de ces plaidoyers traite de trois thèmes fondamentaux. Je reviendrai sur tout cela tout à l'heure d'ailleurs, mais enfin, je vous le dis tout de suite en gros. Il y a d'abord à prouver l'innocence des chrétiens qui sont accusés de toutes sortes de crimes. On les accuse d'athéisme, on les accuse d'anthropophagie, on les accuse d'immoralité. Il faut les justifier. Il faut aussi prouver, c'est le deuxième thème, à peu près commun à tous ces auteurs, la vérité, la bienfaisance de la doctrine chrétienne. Il ne s'agit pas de se défendre, mais il s'agit aussi de prouver qu'on a raison et qu'on est porteur d'un message indispensable. Et puis, il y a aussi un côté polémique, et il faut expliquer, et c'est quelquefois plus difficile, aux païens, qui sont l'objet, enfin, les lecteurs potentiels de ces plaidoiries, que c'est eux qui sont les sectateurs de doctrines perverses, dont les mœurs ne sont pas irréprochables, et qui ont tout à fait tort d'être juifs ou d'être païens. Il y a donc, vous voyez, trois directions qui vont être suivies par ces apologistes, ces avocats. Bien naturellement, c'est la défensive qui est le plus difficile. C'est le premier de ces thèmes qui donne le plus de fil à retordre, car réfuter des calomnies, il reste toujours quelque chose. Et c'est difficile. La seule échappatoire sera, quand c'est possible, de montrer que la loi en vertu de laquelle ont lieu les persécutions, que la loi est inique et qu'il faudrait mieux qu'elle n'existe pas, qu'il faudrait l'abolir. Mais à partir du moment où la loi existe, il est difficile d'empêcher des magistrats de l'appliquer. Il faut donc remonter à la source et avant la loi pour essayer de la faire rapporter. Nous essaierons d'ailleurs de voir en vertu de quelle loi et pour quelle raison les persécutions ont eu lieu. Ces apologistes, je fais toujours ici une sorte de préface à mes propos de tout à l'heure, ont rencontré les philosophes païens comme adversaires et ont eu à présenter la doctrine. Les philosophes à qui ils avaient affaire sont les platoniciens, Socrate, Platon et les néo-platoniciens, Aristote, pas beaucoup, nous en parlerons, pour dire qu'il y a peu de traces d'aristotélisme dans leurs adversaires. Il y a les pythagoriciens que l'on va réfuter à cause de la doctrine de la métempsycose, inadmissible dans le christianisme. On aura affaire aux épicuriens, réfutés à cause de leur sensualisme, plus que sensualité. C'est une légende.
On aura surtout affaire aux stoïciens à cause de leur athéisme pratique. Quant aux doctrines que l'on va présenter, c'est là que se justifient mes propos de tout à l'heure qui avaient l'air de jeter une légère suspicion sur la totale véracité de ces avocats. Dans ces circonstances de combat, on ne peut pas tout dire si l'on veut convaincre un adversaire déjà malveillant. Il y a des sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder parce qu'on est sûr qu'ils ne seront pas crus ni acceptés. Si on veut avoir raison, il faut présenter les arguments qui peuvent être admis par l'adversaire. On va donc parler, bien sûr, du christianisme comme d'un déisme spiritualiste, car ça, les païens sont tout prêts à l'admettre. On va présenter parmi les dogmes chrétiens le dogme d'existence d'un Dieu unique. Là-dessus, tout le monde peut être d'accord, ou presque. On va parler de l'immortalité de l'âme. On va parler de la sanction morale des fautes. Mais, dans cette perspective de défense et de présentation à des esprits malveillants, d'une doctrine difficile, on n'escamotera pas tout à fait, mais on estompera des notions aussi difficiles à admettre pour un esprit formé par Zénon, Platon, Aristote. On parlera difficilement de l'incarnation, plus difficilement encore de la rédemption, le scandale de la croix. On sait bien depuis le discours de saint Paul à Athènes que c'est pas très facile à faire admettre. Le scandale de la croix, d'où sort le salut de l'humanité, et les sacrements, à travers ces rites, la diffusion de la vie divine, ce sont des notions qui, pour familières qu'elles vous soient, ne peuvent pas être envisagées même par des esprits non réparés. Alors, dans cette défense du christianisme, qui est au combat, on n'appuiera pas sur ce qui, évidemment, créerait une incompréhension encore plus grande. On ne le nie pas, on peut y faire allusion, mais on ne le plaidera pas, car ce n'est pas un bon sujet de plaidoirie. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une présentation un peu inclinée dans un sens, et occultant ou cachant certaines autres vérités. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas d'ignorance, ce n'est pas de l'hérésie, c'est simplement la présentation même dans le contexte que je vous disais qui empêche de trouver là l'exposé complet de la foi. Nous ne l'y cherchons d'ailleurs pas si nous savons de quoi il s'agit. On présente du christianisme ce qui peut être compris par des adversaires de bonne foi ou de mauvaise foi. Il ne rejette rien du credo. Il n'y a pas la moindre abjuration, la moindre apostasie, la moindre hérésie. Mais on ne dit pas tout. Naturellement, quand il s'agit des juifs, on ne dira pas non plus la même chose que ce que l'on peut dire aux païens. Contre les juifs, on va sortir les arguments tirés des prophéties. Puisque la venue de notre Seigneur, c'est l'accomplissement des prophéties. Mais que voulez-vous que les prophéties représentent pour des adversaires païens? Alors là aussi, vous voyez, l'argumentaire sera tout à fait différent suivant le public à qui on s'adresse. Cela me paraît d'ailleurs tout à fait simple et de bonne guerre. Et maintenant, si vous voulez, nous allons reprendre ces différents points suivant dans un ordre, enfin, d'une manière beaucoup plus approfondie dans certains cas. Mais je voulais déjà vous présenter un peu le paysage de ces écrivains mal connus. Un tout petit peu de bibliographie pour servir d'entracte ou de transition.
Les apologistes sont mal servis par les publications à la disposition des lecteurs. On trouve en effet simplement... Ah, il y a quand même l'épître à Diognète. L'épître à Diognète, qui est la perle de cette littérature apologétique, se trouve dans la collection des sources chrétiennes. C'est un des tout premiers numéros qui a été publié. Et si, à juste titre, le prix de la collection des sources chrétiennes vous paraît repoussant, je vous signale qu'il y a dans cette petite collection des écrits des pères apostoliques, curieusement, la même traduction, la seule traduction qui soit très très bonne, celle de M. Maroux, qui a été publiée avec le texte grec et des commentaires extrêmement savants et abondants, et la traduction seule a été reprise dans cette petite collection. Foi vivante. Pour les autres apologistes, nous n'avons rien de Tatien. D'Athénagore, nous avons simplement cette supplique au sujet des chrétiens, qui est également un des textes des sources chrétiennes. De Théophile d'Antioche, c'est un texte intéressant, les trois livres à Autolycos. Et puis, heureusement, depuis huit jours, nous avons enfin une édition tout à fait séduisante des apologies de Saint-Just. Cela vient de paraître, cet ouvrage sent encore l'encre d'imprimerie, c'est ça, c'est tout chaud et tout fumant. Il y a 15 jours, quand j'avais pas pu aborder ce sujet, parce que j'avais été trop bavard sur les apocryphes, je n'aurais pas pu vous le présenter. Depuis, un événement pour nous considérable vient de se produire. Les apologies de Saint-Justin viennent de paraître dans une édition absolument merveilleuse d'exactitude, de précision, par l'abbé Vartel, qui est un ami et qui est professeur à l'Institut catholique. Un helléniste tout à fait éminent, un érudit, un écrivain plein d'humour et de charme, et qui a mis son érudition et ses qualités d'écrivain au service de Saint-Justin. Maintenant, on a l'édition de Saint-Justin. Malheureusement, il n'a pas pu le publier aux sources chrétiennes, pourquoi, ni chez Budé, ce qui aurait permis des prix beaucoup plus praticables. Les études augustiniennes, chez qui il a trouvé asile ou accueil pour son ouvrage, publie ça, hélas, pour près de 50 000 anciens francs, ce qui évidemment rend la chose difficile. Enfin, dans une bibliothèque ou en se cotisant, vous pouvez avoir les apologies de Saint-Just. Je vous dirai tout à l'heure tout le mérite de ce texte. Je commencerai par parler de l'aspect juridique de ces apologies. Ce sont, je vous le disais tout à l'heure, des actes officiels, des suppliques, qui se situe dans un contexte historique et géographique déterminé. Ainsi, la première de ces apologies, celle de Quadratus d'Athènes, a été écrite à l'occasion de la visite à Athènes de l'empereur Hadrien. Et cette supplique lui a été remise. Malheureusement, nous avons perdu ce texte, sauf un petit fragment, dans l'histoire ecclésiastique de Zèbes, de Césarée. C'est également dans la même circonstance que l'apologie d'Aristide a été écrite et remise à l'empereur. Justin, que voici, a adressé ses deux apologies à l'empereur Antonin, successeur d'Hadrien. C'est à Marc Aurèle, l'empereur bien connu, que
que d'autres apologistes, comme Athénagore, que voici, aussi, d'autres que, dont je n'ai pas les textes ici, Apollinaire et surtout Méliton de Sardes, c'est à Marc Aurèle que ces autres apologistes ont adressé leur requête. Ce sont des requêtes qui vous voyez, s'adressent, si je peux dire, au sommet de la hiérarchie de l'État et de l'appareil judiciaire, puisque, encore une fois, il s'agit parfois de faire rapporter une loi, un rescrit, et que seul l'empereur a le pouvoir de le faire. Deuxième caractère, ces pétitions, ces requêtes ne sont généralement pas le fait de chefs responsables de l'Église, sauf le texte de Méliton de Sardes, mais c'est tout à fait particulier. Ce sont des intellectuels, ce sont des philosophes qui, là aussi, pour la première fois, vont prendre la parole et se substituer à ceux qui d'abord avaient eu, et pour cause, la parole, c'est-à-dire les apôtres et leurs successeurs, les évêques ou les prêtres qui étaient les diffuseurs de la bonne nouvelle. Cette fois-ci, ce sont des philosophes, des professionnels de la parole, de l'intelligence, de l'écrit, des écrivains qui vont publier leurs œuvres. Athénagore et Justin sont des philosophes de profession. Ce qui n'empêche pas qu'il y a dû y avoir aussi des tractations qui n'ont pas laissé de traces écrites entre les évêques, chefs de communauté, chefs d'église et les autorités. Mais en tant que texte qui nous soit parvenu, en tant qu'apologie, ce sont des intellectuels. Des pétitions. Mais, tout de suite, il faut se demander, en lisant ces textes, quelle chance ils avaient de convaincre soit l'autorité suprême, en admettant que le texte lui parvienne, soit les bureaux, les autorités compétentes. Et là-dessus, on peut être un peu sceptique. Car ces textes font appel à tellement de bons sentiments que, sans vouloir médire des très hauts fonctionnaires, il est peu probable que ce soit ce genre d'argument qui puisse convaincre un ministre ou un chef de juridiction. Vraisemblablement, ces pétitions adressées à l'empereur ou à ses subordonnés immédiats ont dû être mises au panier. Je pense d'ailleurs que c'était sans illusion au départ. Et c'est pourquoi ces textes nous sont parvenus, car ils ont été publiés. Ce sont des lettres ouvertes. Et il en est de ces pétitions, comme de ces manifestes, et rédigés par des intellectuels qui sont en principe adressés à des personnalités éminentes, mais qui sont publiés dans les journaux ou dans des collections de libelles ou de pamphlets, qui recueillent quelquefois des signatures ou qui sont l'objet de manifestations de soutien importantes. Ce qui compte à ce moment-là, c'est l'audience publique que ces libelles remportent, beaucoup plus que la puissance de conviction sur le destinataire. Il en est ainsi de ces pétitions. Ce sont des appels à l'opinion. Elles sont publiées. Ce sont des manifestes. Et par conséquent, l'argumentation déployée est littérairement, dans une fiction littéraire, adressée à un chef d'État ou un haut responsable. Mais en fait, le déploiement des arguments s'adresse beaucoup plus aux innombrables lecteurs que l'on espère qu'au destinataire nominal. Ce sont des œuvres de combat. Ce sont des œuvres qui doivent par conséquent, pour être comprises, être situées exactement dans le courant d'opinion et dans la situation historique et juridique du IIe siècle après Jésus-Christ. Et ici,
il faut entrer, pardonnez-moi, mais je suis obligé de le faire, dans quelques détails historiques. Saint-Justin est mort, martyr. Nous avons vu au cours de l'année Saint-Ignace, également d'Antioche, être mis à mort. Il y a des persécutions, mais il faut distinguer le climat de persécution du IIe siècle après Jésus-Christ, là où nous sommes ce soir, et ce qui se passera plus tard. Nous ne sommes pas encore au IIe siècle dans ce déchaînement violent, sanglant, implacable, qui fera ruisseler le sang des chrétiens plus tard. Le climat de persécution du IIe siècle est modéré, si j'ose dire. Il n'y a pas persécution continue de la part des autorités romaines. Il ne faut pas mélanger les perspectives et il faut distinguer suivant les cas. De plus, ces persécutions ne sont au IIe siècle, ce sera plus vrai après, ne sont pas le fait des empereurs. Par la suite, un certain nombre de polémistes chrétiens, d'apologistes, mais postérieurs, nous amèneront à confondre les perspectives et on répartira les empereurs en bons empereurs et en mauvais empereurs suivant qu'ils ont déclenché ou suspendu ou arrêté les persécutions. Au IIe siècle, aucun empereur n'a volontairement, personnellement, déclenché une persécution générale dans l'Empire. En fait, durant la période qui nous intéresse, je précise bien, pas que ça changera après, durant la période qui nous intéresse, celle des premiers contacts entre les premiers chrétiens et l'Empire, les persécutions n'ont jamais été un fait général, toujours local, et en même temps chronique, au sens où l'on parle d'une maladie chronique. Les persécutions commencent avec, ce n'est pas un paradoxe, avec la passion du Christ. Celui-ci a été condamné par un procurateur romain, mais d'un point de vue juridique, cela relève d'une décision d'un pouvoir local, et cela, évidemment, ne vise pas le christianisme comme tel. Bien sûr. Cette persécution a eu lieu sous Tibère. C'est le cas unique. Mais essentiel. Sous Caligula, successeur, rien. Au temps de Claude, nous avons simplement une mention curieuse de Suétone, Iudeos, les Juifs, impulsore Christo, Christ, assidue tumultuantes, Roma expulit. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'expulsion de Rome des Juifs qui s'agitaient sous l'instigation de Christos. Le nom, évidemment, n'est pas très connu. Bon, il s'agit évidemment du Christ et de conflits entre Juifs et chrétiens, mais qui sont mélangés par cet auteur qui, évidemment, n'a pas les moyens de connaître les distinctions subtiles entre Juifs et chrétiens à ce moment-là. Ce sont des Juifs qui se disputent entre eux. Alors on les chasse de Rome. La mesure n'a pas été dramatique et ne semble pas avoir été suivie de beaucoup d'effets d'ailleurs. La première persécution proprement dite, où les chrétiens sont poursuivis comme tels, est celle de 64, organisée par Néron. Néron, ai-je besoin de rappeler les dates 54 à 68. Et cette persécution est attestée par un texte célèbre de Tacite, d'une authenticité incontestable, pour faire taire les rumeurs relatives à l'incendie de Rome. Tacite accuse Néron d'avoir fait cet incendie lui-même, et
Il ajoute, pour faire taire les rumeurs, Néron suppose des coupables. Et fit souffrir les tourments les plus raffinés à ceux que leurs abominations faisaient détester et que le peuple appelait chrétiens. Ce nom leur venait du Christ qui, sous Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé un instant, cette exécrable superstition débordait à nouveau, non seulement en Judée, berceau de ce fléau, mais à Rome, où tout ce qu'on connaît d'atroce ou d'infâme afflue de toutes parts. Ainsi donc, ils furent arrêtés, d'abord ceux qui avouaient, puis, sur leurs indications, une infinité d'autres, et ils furent jugés coupables, moins du crime d'incendie que de haine contre le genre humain. Vous avez tous lu ou traduit autrefois ce texte des Annales, livre 15, chapitre 44. Ce texte contient des indications très précieuses. Christianos, Christianos, bien sûr, cela vous paraît une simple question de phonétique insignifiante. Pas tout à fait. Car il y a, je ne vous l'apprendrai pas, un jeu de mots que nous allons retrouver d'ailleurs tout au long de ces plaidoiries, on va jouer beaucoup là-dessus. Car Christianos vient de Christus, mais il y a en grec un mot, Christos, qui signifie « bon ». Et les apologistes, et sans doute Tacite, fait une sorte d'opposition, de jeu de mots, entre ces abominables personnages qui se prétendent et que l'on appelle les bons, Christos, Christianos. C'est sur cet adjectif grec, un suffixe latin, et on a ainsi, voyez, entre les chrétiens et les bons, une sorte de contraste verbal. On joue sur ce rapprochement. Saint Justin, d'ailleurs, et Athénagore, Saint Justin, dans la première apologie, va dire, à considérer le nom qui nous accuse, nous sommes les plus vertueux, krestotatoi, n'est-ce pas, les superlatifs du grec, n'est-ce pas, nous sommes les plus vertueux des hommes. Les gens de Christos, Christos, sont les plus vertueux. Vous voyez le jeu de mots. Or, il me semble que dans le texte de Tacite, il y a ce même jeu de mots. Il parle en effet d'individus détestés pour leurs abominations que le peuple appelle Christianos, c'est-à-dire les bons, les vertueux. Il veut souligner le contraste entre le caractère abominable qu'il prête aux chrétiens, que le peuple prête aux chrétiens, et lui d'ailleurs aussi, et le sens de leur nom. Une deuxième question se pose à propos de ce texte, c'est les conditions de la persécution. Tacite parle d'abord d'un premier groupe de chrétiens arrêtés, ceux qui avouaient, fatebantur, pourrait s'agir d'avoir provoqué l'incendie. Mais ceci est contredit par le texte, qui précisera que l'accusation a porté simplement sur la qualité de chrétien. D'ailleurs, la thèse de Tacite, n'est-ce pas, c'est que c'est Néron qui est l'auteur de l'incendie, et qu'il a cherché à faire retomber la responsabilité sur les chrétiens. D'où on conclut que l'aveu dont il est question dans ce texte ne peut pas être l'aveu d'un crime qui n'a pas été commis, mais l'aveu de la qualité de profession de foi chrétienne, de la qualité de chrétien. C'est très précieux sur la raison de cette première arrestation, cette première condamnation de chrétiens en tant que tel. Et par ailleurs, ces chrétiens ont dénoncé la masse des autres. Il y a eu, c'est triste à dire, mais Pierre, qui est mort dans cette persécution, a été, nous le savons, n'est-ce pas, victime de jalousie. Et ceci, nous le savons, par Clément de Rome, dont nous avons parlé de notre premier entretien. Pierre a été victime d'une jalousie injuste, c'est-à-dire la jalousie des premiers qui ont été arrêtés. Il y avait des conflits
dans cette communauté et les adversaires de Pierre, arrêtés, ou tout au moins parmi ceux qui ont été d'abord arrêtés, il y avait des adversaires de Pierre, sans doute des judaïsants, qui menaient une politique anti-romaine. C'est pour ça qu'on les a arrêtés d'ailleurs, car ils avaient été repérés par la police de l'empereur comme étant des opposants au régime. On les a arrêtés et ils ont dénoncé les autres, Pierre et combien d'autres. Ce sont ceux-là, ces opposants anti-romains, qui ont attiré l'attention de la police impériale. Ils ont été arrêtés par antipathie pour le gros de la communauté groupée autour de Pierre. Ils les ont dénoncés et la persécution, naturellement, enfin, la police n'a pas fait le détail. Elle a arrêté et condamné tout le monde. Et la dernière question, la plus importante et intéressante, pourquoi les a-t-on mis à mort? Pourquoi ont-ils de préférence à tant d'autres groupes minoritaires, opuscules qui pouvaient intéresser un empereur à la recherche d'une minorité antipathique pour les faire exécuter à sa place? Pourquoi cela? On les a arrêtés pour odium generis humani, c'est la traduction latine du mot de misanthropia, n'est-ce pas, de haine du genre humain. Eh bien, l'accusation avait déjà été portée contre les Juifs à Rome. Et elle comporte essentiellement, à travers ce mot qui, évidemment, n'est pas un grief juridiquement valable, l'idée d'une communauté inassimilable à la société du fait de ses coutumes propres. Et de coutumes propres, on passe dans la rumeur, le mot est à la mode, n'est-ce pas, populaire, on passe à l'idée de mœurs non seulement différentes, mais si elles sont différentes, elles sont inhumaines, elles sont haïssables, elles sont infâmes. À partir du moment où il est entendu que le comportement à la grecque est une philanthropia et le comportement normal, l'humanitas. Et voilà pourquoi les orientaux, en général, et singulièrement les juifs, déjà, avaient été accusés de toutes sortes de perversions. Et c'est à partir de là qu'on va accuser tout de suite les chrétiens, vous savez, par les graffitis, d'adorer un âne. On va les accuser de meurtres rituels, d'inceste. Tout de suite, ces accusations sont portées. Donc, dans un premier stade, dans le jugement des païens sur les chrétiens, ceux-ci apparaissent plus ou moins confondus avec les juifs et sont victimes de racontars, de légendes odieuses qui suffisent à les faire dénoncer au pouvoir. Policiers plus que politiques. Mais dans la circonstance, les deux se confondent. Et ces rumeurs vont durer. Un siècle et demi plus tard, on aura encore à se défendre contre ces accusations. Il est fort difficile de dissiper, comme toutes les calomnies, surtout les plus infâmes. Sous Galba, Otton, Vitellius, les trois empereurs qui se sont succédés la même année 68, nous n'avons aucun témoignage de persécution et ils n'ont pas eu le temps. De même, d'ailleurs, pour ce qui est du règne de Vespasien et de Titus. Sous Domitien, un seul épisode de persécution est connu, qui d'ailleurs est douteux. Domitien aurait fait comparaître devant lui des descendants de Jude, un des apôtres, cousin du Christ, qui lui avait été dénoncé comme descendant de David. Et un petit peu plus haut, nous savons cela par l'historien Eusèbe de Césarée, Eusèbe disait que Vespasien avait fait rechercher tous les descendants de David après la prise de Jérusalem. Il s'agirait donc ici tout simplement d'une sorte de
répression du messianisme juif considéré comme subversif. Eusèbe, d'autre part, fait allusion au fait que Domitien aurait pris des mesures d'exil partielles et provisoires contre les chrétiens, en particulier contre une certaine Flavia Domitilla, une noble romaine, mais ce n'a pas été au-delà d'une simple relégation provisoire. C'est également dans ces circonstances imprécises que l'apôtre Jean aurait été relégué à Patmos. Mais ceci est également très imprécis. Et alors nous arrivons à la dynastie qui nous intéresse, celle du IIe siècle, et qui commence, enfin, les Antonins. Le premier, c'est Nerva, rien à signaler, sous son règne très court d'ailleurs, il a dû régner 2 ans, de 96 à 98. Mais avec Trajan qui lui succède, nous arrivons tout de suite à des choses plus importantes. 98 à 117, Trajan. Ici, nous sommes en présence d'un document remarquable qui atteste l'existence de poursuites contre les chrétiens. C'est le fameuse lettre de Pline le Jeune et la réponse de l'empereur. Vous savez que Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, écrit à Trajan pour lui demander des instructions à l'occasion de procès intentés aux chrétiens. Et Pline le Jeune demande, est-ce le nom, nomen Christianum, le simple nom, l'étiquette, ou bien l'absence de crime, est-ce le nom en l'absence de crime, ou bien les crimes inséparables du nom qu'il faut punir, crimes inséparables du nom. C'est intellectuellement et juridiquement scandaleux comme question. Et Pline, il le dit d'ailleurs, a pris comme ligne de conduite de faire exécuter ceux qui, interrogés à plusieurs reprises, refusaient d'abjurer. Et il note qu'il est impossible de contraindre ceux qui sont vraiment chrétiens, les contraindre à abjurer. Il constate également que les chrétiens sont nombreux. Et Trajan répond en précisant qu'il ne faut pas rechercher les chrétiens. Simplement, s'ils sont dénoncés, et s'ils refusent d'abjurer, à deux conditions, s'ils sont dénoncés, et s'ils refusent d'abjurer, ben il faut les condamner. Mais il ne faut pas admettre les dénonciations anonymes, qui, dit-il, ne sont plus de notre temps. Ce texte est capital, vous le connaissez, il est très, très, très souvent commenté, car il va constituer la jurisprudence qui durera pendant tout le siècle. Et c'est à ce texte-là que les apologistes, dans leur plaidoirie, vont avoir affaire. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune proscription des chrétiens par le pouvoir central. Pline n'y fait pas allusion, il n'aurait pas manqué de le faire, et Trajan ne dit pas qu'il n'y a qu'à appliquer les instructions générales numérotant concernant la législation impériale sur les chrétiens. Pas question. Aucune persécution d'ensemble. En second lieu, cela prouve qu'il y a des attaques locales contre les chrétiens qui viennent des populations et que ces plaintes sont soumises aux magistrats romains, qui évidemment doivent en tenir compte. C'est ce qui s'était passé pour la Passion du Christ. Plainte devant le magistrat romain qui prend les mesures. Troisième lieu, le motif d'accusation n'est pas le fait de crime déterminé. C'est le nom chrétien, nomen Christianum, qui est incriminé. D'ailleurs, l'enquête faite par Pline conclut à leur innocence, plutôt. Et le gouvernement n'est pas dupe des imputations, des calomnies qui sont menées contre les chrétiens. Le dernier chef de condamnation, c'est le nom de chrétien, c'est le point essentiel. Et ceci nous amène à la question du fondement juridique de ces condamnations. Pourquoi ? Parce qu'on s'appelle chrétien, va-t-on être condamné à mort ? Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de loi générale, il n'y a pas d'interdiction. Je précise qu'il y en aura plus tard. Et dans votre mémoire, peut-être, vous dites, mais il y a des édits de l'empereur, pas encore. On a souvent estimé que ces,
ces condamnations reposaient sur une loi positive condamnant le christianisme qui aurait remonté à Néron. Ceci sur une expression de Tertullien qui parle d'un institutum neronianum, le mot étant difficile à traduire. Mais Néron a pris des mesures contre les chrétiens. C'est vrai, il est le premier à l'avoir fait, mais non pas en vertu d'une loi, non pas en vertu d'un décret officiel. C'est l'inverse qui est vrai à ce moment-là. Ce qui expose les chrétiens à une condamnation légale n'est pas une loi contre eux, mais l'absence d'une loi en leur faveur. Je veux dire, ils n'ont pas d'existence légale. Et par conséquent, ce sont des, comment dit-on en anglais, des outlaws, des hors-la-loi, et ils ne sont pas protégés. Ils constituent une association non reconnue par l'État, donc illicite, donc pas protégée, et ils peuvent être condamnés dès qu'ils sont l'objet d'une accusation, puisqu'on ne peut rien, ils ne bénéficient d'aucune garantie légale. Ils n'existent pas légalement, ils n'existent pas civiquement, politiquement, juridiquement. Donc, ils ne sont protégés par aucune disposition légale. Si donc on les accuse de crimes, ils doivent être punis et personne ne peut évoquer pour les défendre la protection d'aucun statut juridique. C'est le vide légal qui, à ce moment-là, les rend aussi vulnérables. C'est ce qui caractérise la situation des chrétiens dans ce deuxième siècle, je précise bien, c'est sa précarité. Ils sont toujours sous le coup d'une dénonciation. Et dès qu'il y a dénonciation, rien ne les protège plus. Et voilà pourquoi les mouvements de foule, les dénonciations venant des juifs ou de la malveillance des voisins païens sont mortelles pour eux. Les raisons d'hostilité venant de des populations, encore une fois, jalouses, malveillantes, ne manquent pas, étant donné les rumeurs qu'on fait courir sur eux. Mais ce ne sont pas les empereurs qui sont responsables. À ce moment-là, n'est-ce pas, les empereurs ont été tolérants à leur égard. Ils n'ont pas pris de mesures en leur faveur, ils n'ont pas pris non plus de mesures contre eux. L'hostilité vient des populations, païennes ou juives. Et cette situation va durer pendant tout le second siècle. L'avènement des sévères, des empereurs sévères au siècle suivant, alors changera complètement la situation. On sera en présence d'actes législatifs qui émaneront du pouvoir central, mais ce sera une situation tout à fait différente. Alors, quelle a été l'extension de ce mouvement de persécution du deuxième siècle, si spécifique, si particulier? Et c'est pourquoi les écrivains qui rédigent ces apologies s'adressent à l'empereur, mais l'empereur, si je peux dire, n'en peut mettre. Et c'est pourquoi je vous disais que c'était beaucoup plus proche du manifeste destiné à un public de lecteurs, sous le couvert et sous la fiction littéraire et juridique d'une adresse à l'empereur, que d'une véritable requête pour un règlement judiciaire qui n'existe pas, juridique qui n'existe pas. Les gens qui lançaient ces mouvements contre les chrétiens n'étaient malheureusement pas ceux qui lisaient ces textes, et c'est là qu'est tout le malentendu dramatique. Sous Trajan, quelles ont été les victimes de ces persécutions? Le mot est bien vrai, mais vous voyez dans quelle mesure limitée il faut le prendre. Nous avons le témoignage de la preuve que l'empereur, le second évêque de Jérusalem, Siméon, a été mis à mort, mais là, sans doute, pour son appartenance à la race de David. C'est un cas ambigu. Le plus célèbre martyr de l'époque, c'est Ignace d'Antioche, bien sûr, qui était martyrisé à Rome. Et il n'est pas le seul. Car l'écrivain grec Épictète,
qui avait été exilé de Rome, parle du fanatisme des Galiléens qui les porte à résister aux menaces. Donc il y a eu, ici et là, sans qu'on puisse avoir une idée très, très précise, ni de la répartition, ni du nombre, sans doute un certain nombre de victimes de ces dénonciations, de ces jugements. Le plus célèbre étant Ignace d'Antioche. Sous le règne d'Adrien, aucune apologie d'ailleurs n'était rédigée à ce moment-là, sous le règne de Trajan, rien. Sous le règne d'Adrien, qui paraît avoir été particulièrement paisible pour les chrétiens, nous avons un document très précieux qui a été conservé justement par Eusèbe. C'est une lettre de l'empereur Adrien au proconsul d'Asie, qui s'appelait Minucius Fondanus. Et l'empereur Adrien confirme la jurisprudence antérieure, précisant qu'il ne faut pas condamner sur simple accusation. Instruire un procès et condamner sévèrement ceux qui accuseraient injustement. Donc ceux qui sont les accusateurs, qui ne peuvent pas faire la preuve qu'ils ont raison, ceux qui accusent injustement, doivent être condamnés, au moins autant que les chrétiens. Ceci n'implique pas, contrairement à ce que dit, n'implique pas un changement dans la législation. Il n'y avait pas de législation. Et c'est sous Adrien que paraissent les deux premières apologies, celle de Justin, excusez-moi, celle de Quadratus que nous avons perdu, et celle d'Aristide. Et alors sous Antonin, 138 à 161, la situation reste la même. Il y a un certain nombre de martyrs. L'évêque de Rome, Télesphore, en 138, Justin mentionne la condamnation à Rome de 3 chrétiens. Mais vous voyez pourquoi ces chrétiens ont été dénoncés? Pour des questions, c'est une actualité étonnante. Les journaux de ce matin ou d'hier, dans un tout autre contexte, montraient également comment certaines dénonciations viennent à la police. Et pour des questions d'un mari mécontent. Et alors sa femme s'était convertie et comme il n'est pas content d'elle, il la dénonce, vous voyez. Et le motif de la condamnation sera simplement la confession de christianisme, n'est-ce pas? Et c'est à Antonin que Justin adresse sa première apologie. Et vous voyez, c'est là qu'il fait allusion à cette jurisprudence. Justin dit un nom, nomen, n'est ni bon ni mauvais. À ne considérer que le nom, nous sommes les plus vertueux des hommes. Or, pour nous, chrétiens, devant les tribunaux, le nom seul sert de preuve. Les choses commencent à changer avec Marc Aurèle, 161 à 180. Alors là, sous Marc Aurèle, il y a beaucoup plus de martyrs. Nous en avons des attestations assez nombreuses. Justin va être martyrisé. Pourquoi Justin va-t-il être martyrisé? Tout simplement parce qu'il sera dénoncé par un de ses anciens élèves, il était professeur de philosophie, et c'est un de ses anciens élèves qui va le dénoncer l'autorité, un certain Crescens, et Justin en mourra. Polycarpe va être martyrisé à Smyrne. Et puis d'autres dont le nom, la liste serait fastidieuse. Et c'est sous le règne de Marc Aurèle qu'ont lieu les fameux martyrs de Lyon. Potin, Blandine et leurs compagnons. Alors sur plusieurs de ces martyrs, nous avons des renseignements précis. Des actes officiels. Et c'est le cas de Saint-Justin. C'est la première, je vous le lirai tout à l'heure, parce que nous devons à monsieur l'abbé Vartel la lecture facile de ce texte, autrement fort difficile à atteindre. C'est un compte-rendu officiel de son interrogatoire. Sous sa forme la plus simple,
la plus impartiale, la plus, comment dirais-je, insensible. C'est un compte-rendu de greffier. Il y a aussi le martyr de Polycarpe, que je vous avais lu partiellement dans une lettre adressée de Smyrne aux autres églises, et puis, bien sûr, j'en parlerai la prochaine fois, la fameuse lettre des martyrs de Lyon. Dans les trois cas, ce sont les trois premiers actes de martyrs, les trois premiers récits, dans les trois cas, nous avons des textes authentiques. Mais, là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les caractères propres à ces écrits apologétiques, va jouer aussi. Il est, dans le cas des martyrs de Lyon, dans le cas de Saint Polycarpe, comme dans le cas de Saint Justin, nous avons des faits certains, mais la présentation est différente. Il est évident que le greffier qui a dressé le procès-verbal du procès de Saint Justin est un greffier qui se contente simplement de mettre les demandes et les réponses. Ça n'en est d'ailleurs que plus impressionnant. Tandis que pour Polycarpe, récit beaucoup plus séduisant, beaucoup plus impressionnant. Les rédacteurs de la lettre ont voulu se servir de ce qu'ils avaient vu, témoins oculaires et authentiques, pour rapprocher cette passion de Polycarpe de la passion du Christ, en faire un objet d'édification et montrer comment Polycarpe était mort comme son maître. C'est vrai! Mais, si vous voulez, la présentation, l'émotion, la valeur édifiante fait qu'on lit cela avec beaucoup plus d'émotion, mais en même temps, l'historien se demande si c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il y a une légère amélioration littéraire. De même pour les actes des martyrs de Lyon, qui sont si beaux. Là, il est évident aussi que le rédacteur de ce récit a voulu exalter le courage sublime des martyrs de Lyon, qui l'aurait fait à sa place, mais ça n'est pas tout à fait le procès-verbal rigoureusement stérile au point de vue émotion et interprétation subjective que nous avons avec Saint-Justin. Alors, comme le martyr de Saint-Justin est le premier, historiquement, et que c'est le plus pur de tous ces actes de martyrs qui par la suite connaîtront une postérité littéraire importante. En voici la lecture, si vous voulez. Au temps des criminels défenseurs de l'idolâtrie, des décrets impies furent publiés contre les pieux chrétiens à Rome et dans la région afin de les forcer à offrir des libations aux vaines idoles. Ça, c'est le chapeau, si on peut dire, de l'écrivain chrétien qui annonce les choses, qui va citer ensuite le procès-verbal. Les saints hommes ci-dessus mentionnés furent donc arrêtés et conduits au préfet de Rome nommé Rusticus. Dès qu'ils furent amenés devant le tribunal, le préfet Rusticus dit à Justin « Commence par te soumettre aux dieux et obéis aux empereurs ». Justin répondit, « On ne peut être blâmé ou condamné pour se soumettre au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Question. « Quelle doctrine enseignes-tu ? » demanda le préfet Rusticus. « Je me suis efforcé, dit Justin, d'apprendre toutes les doctrines. Je m'en tiens finalement à la doctrine de vérité, celle des chrétiens, bien qu'elle déplaise aux tenants d'opinions erronées. » « C'est donc là, répliqua le préfet Rusticus, la doctrine qui te plaît, malheureux. » « Oui, dit Justin, et je m'y attache par le lien d'une croyance droite. »« Quelle est cette croyance ?» demanda Rusticus. « Oh, ce qu'est notre piété envers le Dieu des chrétiens, répondit Justin, c'est de croire qu'il est unique, qu'il est dès l'origine créateur et organisateur du monde entier, du monde visible et de l'invisible, c'est d'affirmer le Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, qui a d'abord été prédit par les prophètes comme devant venir au secours du genre humain, messager du salut et maître d'excellents enseignements. » Quant à moi, qui ne suis qu'un homme, j'estime ne pouvoir dire que de pauvres paroles au regard de sa divinité infinie, tout en affirmant une puissance prophétique. Je veux dire que des prédictions ont été faites au sujet de celui dont j'affirmais à l'instant qu'il est le Fils de Dieu. De fait, sache-le bien, inspiré d'en haut, les prophètes ont annoncé sa venue parmi les hommes. « Où vous rassemblez-vous ? » demanda le préfet Rusticus. « On comprend qu'on veut l'égarer sur une théologie
Il n'y a rien à voir. Où vous rassemblez-vous ? À l'endroit, répondit Justin, où chacun en a le choix et la possibilité. Crois-tu donc que nous nous réunissons absolument tous dans le même endroit ? Certainement pas, car le Dieu des chrétiens n'est pas circonscrit à un lieu, mais invisible, il remplit le ciel et la terre, et il reçoit en tout lieu l'adoration et la louange de ses fidèles. Si la réponse est habile, n'est-ce pas ? Allons, reprit Rusticus, où vous rassemblez-vous ? Ou bien dis-moi en quel endroit tu réunis tes disciples ? Moi, dit Justin, durant tout le temps de mon séjour ici, je demeure au-dessus d'un nommé Martin, près des thermes de Timiotinos. C'est la seconde fois que je m'installe à Rome et je ne connais pas d'autre lieu de réunion que celui-ci. Et si quelqu'un voulait venir me voir, je lui communiquais les paroles de vérité. Ainsi, demanda Rusticus, en définitive, tu es chrétien ? Justin répondit, oui, je suis chrétien. Le préfet Rusticus s'adressa à Cariton, un des compagnons de Justin. « Dis-moi, Cariton, es-tu chrétien toi aussi ?» Cariton déclara, « Je suis chrétien par la volonté de Dieu. » Rusticus demanda à Carito, c'est un autre. « Et toi, Carito, qu'as-tu à dire ?» Carito déclara, « Je suis chrétien par la grâce de Dieu. » Le préfet Rusticus demanda à Evelpistos, « Et toi, qui es-tu » Evelpistos, esclave de César, répondit, « Moi aussi, je suis chrétien, je suis affranchi par le Christ, et j'ai la même espérance par la grâce du Christ. » Le préfet Rusticus s'adressa à Hierax. « Et toi, es-tu chrétien ?» Hierax déclara, « Oui, je suis chrétien, car c'est le même Dieu que je vénère et que j'adore. » Le préfet Rusticus demanda, « Est-ce Justin qui vous a fait devenir chrétien ?»« Ah, depuis longtemps, répondit Hierax, j'étais chrétien et je le resterai. » Péon se leva et dit, « Et moi aussi, je suis chrétien. » Rusticus lui demanda, « Qui t'a instruit ?» Péon répondit, « C'est de mes parents que j'ai reçu cette excellente profession de foi. » Evelpistos déclara, « J'écoutais avec plaisir les paroles de Justin, mais moi aussi, c'est de mes parents que j'ai reçu d'être chrétien. » « Et où sont-ils tes parents ?» demanda Rusticus. « En Cappadoce, » répondit Evelpistos. Le préfet Rusticus demanda à Hierax, « Et tes parents à toi, où sont-ils » Celui-ci répondit en disant, « Notre véritable père, c'est le Christ, et notre mère, c'est la foi en lui. » Quant à mes parents terrestres, ils sont morts. Et moi, j'ai été arraché à la ville d'Iconium en Phrygie et je suis venu ici. Rusticus s'adressa à Libérien. Et toi, que dis-tu ? Es-tu chrétien ? Refuses-tu toi aussi de manifester ta piété aux dieux ? Libérien répondit, moi aussi, je suis chrétien, car j'adresse ma piété, mon adoration au seul Dieu véritable. Le préfet déclara à Justin, écoute-moi, toi qui as la réputation d'être éloquent, et qui t'imagine connaître la doctrine de vérité. Si je te fais fouetter puis décapiter, es-tu convaincu que tu dois monter au ciel ? Justin déclara, « Si j'endure ces supplices, j'espère recevoir ce que me promet la foi au Christ. Je sais que tous ceux qui auront vécu honnêtement conserveront la faveur divine jusqu'au plein achèvement de l'univers. » C'est merveilleux, ces réponses de philosophe et puis l'interrogatoire très précis d'un fonctionnaire de police un peu dépassé par la tournure que prend le dialogue. Le préfet Rusticus demanda, « Ainsi donc, tu t'imagines, toi, que tu monteras au ciel pour obtenir une belle rétribution ?»« Oh, je ne l'imagine pas, » répondit Justin, « mais je le sais, et j'en ai l'entière certitude. » Le préfet Rusticus déclara, « Finalement, venons-en au fait. » À l'affaire urgente et décisive. Approchez-vous et d'un seul cœur, sacrifiez aux dieux. Tout ça, c'est des paroles. Ça. Allez, hop. Le test définitif, sacrifiez aux dieux. Justin répliqua, aucun homme, s'il est dans son bon sens, ne tombe de la piété dans l'impiété. Alors, si vous n'obéissez pas, reprit le préfet Rusticus, vous serez châtié sans pitié. Et c'est notre souhait, répondit Justin, d'être châtié à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est cela qui deviendra pour nous salut et assurance au tribunal redoutable de notre maître et sauveur auquel doit se présenter le monde entier. De la même façon, les autres témoins martyres, n'est-ce pas, déclarèrent « Fais ce que tu veux. Quant à nous, nous sommes chrétiens, nous ne sacrifions pas à des idoles. » Le préfet Rusticus rendit sa sentence et prononça que ceux qui n'ont pas voulu sacrifier aux dieux et se soumettre au décret de l'empereur soient qui admet, donc ce n'est pas un décret de persécution, simplement ceux qui ne refusent, si vous voulez, de sacrifier à l'empereur, qui par conséquent ainsi se déclarent chrétiens, sont que ceux qui n'ont pas voulu sacrifier aux dieux et se soumettre au décret de l'empereur soient emmenés pour être fouettés et subir la peine capitale conformément aux lois. Alors, les saints martyrs, en louant Dieu,
s'en allèrent au lieu habituel des exécutions et eurent la tête tranchée, portant ainsi à sa perfection leur témoignage dans la confession de notre Sauveur. Puis quelques fidèles vinrent prendre leurs corps en cachette et les ensevelir dans un endroit convenable, avec le concours de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Mais il y a deux couches rédactionnelles tout à fait différentes. Il y a le récit très sec, le dialogue entre le préfet et les martyrs, et puis alors, avant et après, l'introduction et la conclusion. Nous avons là le début d'une théologie du martyr, dont on trouve l'écho plus tard dans les lettres, on trouve l'écho dans les lettres d'Ignace, n'est-ce pas, qui s'était rendu à ce martyr, je vous l'ai lu, et plus tard chez Tertullien, mais chez Clément de Rome. Et cela atteste tout de suite la place du martyr, qui est une chose à tout moment, qui peut arriver à tout moment, puisqu'il suffit d'une dénonciation et de la comparution devant n'importe quel fonctionnaire d'autorité. Il verra si on est chrétien ou non. Si on n'est pas chrétien, pardon, si on est chrétien, on ne jouit pas du statut de citoyen, de l'immunité et de la protection des lois. Donc, on peut être, si on est accusé, être condamné. Et c'est à ce moment-là que, devant cette situation dramatique, sous Marc Aurèle, n'est-ce pas, les apologies se multiplient et prennent un accent beaucoup plus dramatique. Méliton de Sardes, ce qui n'était jamais arrivé, la race des adorateurs de Dieu est maintenant persécutée et chassée en Asie par suite des nouveaux édits. On reviendra sur cette expression des édits. Apollinaire, l'évêque de Hiérapolis, envoie aussi un discours à l'empereur. Athénagore, dans sa supplique, bien que nous ne commettions aucune injustice, vous permettez qu'on nous poursuive, qu'on nous enchaîne et qu'on nous chasse. Théophile, l'évêque d'Antioche. Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens sont en butte à de cruels tourments. Bon, comment interpréter ce changement, n'est-ce pas? Eh bien, Méliton parle de nouveaux édits. Est-ce qu'il s'agit d'édits impériaux? L'expression est curieuse. Il ne peut pas y avoir de nouveaux édits, mais ce n'est pas d'anciens. Alors, la situation juridique des chrétiens reste la même. Mais jusqu'ici, la situation se retourne, si vous voulez, parce que il y a une montée sous Marc Aurèle de l'hostilité populaire qui est liée tout simplement à la croissance du christianisme. Jusque-là, c'était des querelles, si j'ose dire, de clochers ou de villages. On en voulait à son voisin. Mais les chrétiens se multipliant, ça devient une minorité importante qui crée un phénomène de rejet comme toute minorité importante dans un milieu donné. Quelles qu'en soient les origines, et là, c'est presque une question d'équilibre sociologique. Et cette fois, cette hostilité trouve, et c'est la première fois que ça se produit, une complicité dans le pouvoir central, pour des raisons politiques. Car la situation de l'Empire devient inquiétante. Et sous Marc Aurèle, pour la première fois, l'Empire, l'empereur, a l'impression que son pouvoir, que son empire est menacé de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a un mécontentement général contre le pouvoir et on va se servir de la persécution contre les chrétiens comme dérivatif à la colère publique. Et au lieu de freiner ou d'étouffer autant qu'on peut, on le peut, ou de ne pas donner suite souvent à l'hostilité contre les chrétiens, l'autorité laisse faire. Nous trouvons ça dans le texte d'Athénagore. Notre discours vous apprendra que c'est sans procès et d'une manière illégale et injustifiée que nous avons souffert. Nous vous demandons donc à l'empereur, n'est-ce pas, de nous protéger, nous aussi, afin que nous cessions d'être victimes des délations. Victime des délations. On demande au pouvoir appui contre les délations. Et vous voyez, vous rappelez que Adrien demandait dans son rescrit qu'on ne condamne jamais les chrétiens sur simple délation, mais qu'on instruise toujours un procès. Donc il y a une modification de la procédure.
Elle ne consiste pas dans une juridiction nouvelle, mais dans une interprétation moins favorable de la juridiction existante, et qui en fait livre les chrétiens à leurs adversaires, au lieu de les protéger. Et il faut ajouter un dernier trait qui modifie complètement la situation et explique cette naissance des apologies, c'est que c'est sous le règne de Marc Aurèle que les intellectuels païens commencent à découvrir le christianisme et à percevoir la menace que fait peser sur eux cette philosophie, cette doctrine, fait peser sur eux, sur leurs convictions, sur leur philosophie à eux. Ainsi, dans le texte de Minucius Félix, cet apologiste latin dont je parlais, il a fait allusion à un discours contre les chrétiens du rhéteur romain Fronton, où on trouve les accusations classiques, adoration d'une tête d'âne, de meurtre rituel, d'inceste. Et Lucien, dans un ouvrage très amusant, dont je vous lirai, si j'ai le temps, quelques passages pour vous faire un peu sourire, parce que tout ça est bien austère, je vous montrerai, vous allez voir comment un personnage apparemment, historiquement vrai, a simulé une conversion au christianisme, a été arrêté comme chrétien, un peu bousculé, il n'a pas été exécuté, c'est pas toujours, mais... Et il a mené ensuite une vie très confortable de confesseur aux frais de la communauté chrétienne. Le texte est amusant et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Il s'appelle Peregrinus. Ce fut vers cette époque que le héros de cette histoire se fit instruire dans l'admirable religion, c'est dit avec ironie, hein, dans l'admirable religion des chrétiens, en s'affiliant en Palestine avec quelques-uns de leurs prêtres et de leurs scribes, que vous dirais-je. Cet homme leur fit bientôt voir qu'ils n'étaient que des enfants. Tour à tour prophète, thiasarque, chef d'assemblée, il fut tout à lui seul, interprétant leurs livres, les expliquant, en composant de son propre fond, il en rajoutait. Aussi nombre de gens le regardèrent-ils comme un dieu, un législateur, un pontife égal à celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Lucien est un esprit extrêmement voltairien et parfaitement païen. Mais ça l'amuse beaucoup de regarder de l'extérieur, par ce petit monde des chrétiens, et c'est amusant de regarder, de voir ce regard qu'un païen a sur nous, avec l'occasion de cette histoire assez rocambolesque. Peregrinus, Protée, car il change beaucoup de personnalité au cours de ce récit, ayant donc été arrêté pour ce motif, fut jeté en prison. Mais cette persécution lui procura pour le reste de sa vie une grande autorité et lui valut le bruit d'opérer des miracles et d'aimer la gloire, opinion qui flattait sa vanité. Du moment qu'il fut dans les fers, les chrétiens, se regardant comme frappés en lui, mirent tout en œuvre pour l'enlever. Mais ne pouvant y parvenir, ils lui rendirent au moins toutes sortes d'offices avec un zèle et un empressement infatigable. Dès le matin, on voyait ranger autour de la prison une foule de vieilles femmes, de veuves et d'orphelins. Les principaux chefs de la secte passaient la nuit auprès de lui, après avoir corrompu les geôliers. Ils se faisaient apporter toutes sortes de mets, lisaient leurs livres saints. Et le vertueux Peregrinus, il se nommait encore ainsi, était appelé par eux le nouveau Socrate. Ce n'est pas tout. Plusieurs villes d'Asie lui envoyèrent des députés au nom des chrétiens pour lui servir d'appui, d'avocat, de consolateur. On ne saurait croire leur empressement de pareilles occurrences. Pour tout dire en un mot, rien ne leur coûte. Aussi Peregrinus, sous le prétexte de sa prison, vit-il arriver de bonnes sommes d'argent et se fit-il un gros revenu. Ces malheureux se figurent qu'ils sont immortels et qu'ils vivront éternellement. Ça, c'est les chrétiens. En conséquence, ils méprisent les supplices et se livrent volontairement à la mort. Leur premier législateur leur a encore persuadé qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié, dont ils suivent les lois. Ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète qu'ils ont en ces paroles, en sorte que s'il vient à se présenter parmi eux un imposteur,
Un fourbe adroit, il n'a pas de peine à s'enrichir fort vite en riant sous cap de leur simplicité. Cependant, Pérégrinus est bientôt délivré de ses fers par le gouverneur de Syrie, vous voyez, c'est pas toujours une bonne nation, amateur de philosophie et qui savait notre cynique assez fou pour se livrer à la mort dans le dessein de s'illustrer. Il le fait remettre en liberté, ne le jugeant digne d'aucune punition. Celui-ci, de retour dans sa patrie, trouve les esprits encore tout échauffés du meurtre de son père et nombre de gens prêts à le poursuivre en justice, car il avait un lourd passé. La plus grande partie de ses biens avait été pillée en son absence, il ne lui restait plus que des champs, etc. Bien. Vous voyez, à travers cet épisode de la vie d'un imposteur, on aperçoit la façon dont les chrétiens étaient vus d'en face. Il y a tout un comportement fort sympathique à travers ce roman un petit peu haineux quand même. C'est très curieux. Et vous voyez qu'on n'était pas forcément condamné. Celui-ci, faisant profession de christianisme, a été relâché par un gouverneur qui n'a pas jugé bon d'appliquer un règlement qui n'existait pas. Dans certains cas, on tombait malheureusement sur des gouverneurs qui étaient beaucoup plus sensibles à des imputations. Celui-là avait un certain scepticisme et a dû voir qu'il n'y avait pas de quoi fouetter ni condamner un homme. Malheureusement, c'est l'imposteur qui a été relâché et c'était les bons qui tombaient sur des fonctionnaires moins ouverts à un certain relativisme. C'est à l'époque également de Marc Aurèle que ces intellectuels païens se sentant tout d'un coup inquiétés par l'apparition de cette philosophie et de cette nouvelle doctrine vont pour la première fois aussi attaquer. Et c'est l'apparition du fameux livre de Cels contre les chrétiens, le discours vrai, vous savez. Et ce discours vrai de Cels est la réponse à la première apologie de Saint Justin. Ce que Cels reproche au christianisme, c'est d'être révolutionnaire et de bouleverser les principes sur lesquels est fondée la cité, à la fois sur le plan des croyances, des mœurs et des institutions. C'est la première fois que nous voyons apparaître ces imputations. Parce que c'est la première fois que le christianisme a pris assez d'importance, non seulement parmi les braves gens, mais aussi parmi des philosophes, des intellectuels, pour que les autres intellectuels, se voyant tout d'un coup menacés dans leur sécurité, réagissent. Ces imputations de Cels ont été formulées avec beaucoup de talent, et vous savez que le livre est encore réédité de nos jours avec un succès indéniable, puisque Cels fait partie des écrivains, comment dirais-je, les plus réputés parmi les gens de la nouvelle école, et que le professeur Rougier a écrit récemment une préface tout à fait élogieuse à la réédition du livre de Cels. On n'en sort pas. Et la situation telle qu'elle est, là où nous en sommes arrivés, est rester de part et d'autre, si je peux dire, sans changement. Justin est toujours d'actualité dans sa défense du christianisme et l'opposition de Cels est la même. Les positions n'ont pas varié. Et nous lisons encore avec intérêt, profit et bonheur les apologies de Saint Justin en particulier, étant donné leur valeur intellectuelle, mais les autres lisent Cels et le dialogue ne se fait pas plus. Il n'est pas sûr d'ailleurs. Enfin, non. Marc Aurèle, l'empereur, a été influencé par ces intellectuels. Et voilà pourquoi on arrive à des persécutions plus sévères. Parce que Fronton est le précepteur et l'ami de Marc Aurèle. Crescens, qui fait condamner Justin, l'ancien élève de Justin, professeur de philosophie converti, est le conseiller de Marc Aurèle. Et Marc Aurèle lui-même, vous le savez, est un intellectuel. La prédiction de Platon est arrivée et le philosophe est devenu roi. Et une de ses maximes que nous lisons, n'est-ce pas, dans ses notes,
puisqu'il a publié son journal, note pour lui-même, c'est contre les chrétiens et il vise leur esprit d'opposition. Et comme il sent que son empire commence à être ébranlé, il est très sensible à la thèse soutenue par Cels, à savoir que le christianisme est révolutionnaire. Dans un empire sûr de soi, dans un régime sûr de soi, accuser une petite secte d'être révolutionnaire, ça ne trouble pas beaucoup le pouvoir. Mais si, dans un empire qui commence à trembler un peu sur ses bases, on lui dénonce cette nouvelle secte comme particulièrement pernicieuse au point de vue politique et ébranlant le pouvoir, il est évident qu'il va réagir violemment. Cels montre que le christianisme est subversif par rapport à l'ordre public. Il est un élément de destruction. Il y a une pointe politique dans le christianisme. Et c'est à cette occasion que a été publiée la fameuse lettre à Diognète dont je vous parlais tout à l'heure. Le passage est très beau et très célèbre. Et vous allez voir. C'est avec raison que les chrétiens s'abstiennent de la légèreté de l'erreur générale comme du ritualisme indiscret de l'orgueil des juifs. Je prends au milieu d'un développement. Je suppose t'en avoir assez appris là-dessus, mais c'est ce qu'est leur religion à eux, c'est un mystère. N'espère pas pouvoir jamais l'apprendre d'un homme. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges, comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies. Leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue, et par là ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie, comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est pas du corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais ne sont pas du monde. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi, les chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde. Mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans en avoir reçu de tort, parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens, qui ne lui font aucun tort parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, et ses membres, comme les chrétiens, aiment ceux qui les détestent.
L'âme est enfermée dans le corps. C'est elle pourtant qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde. Ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde. Immortel, l'âme habite une tente mortelle. Ainsi, les chrétiens campent dans le corruptible, en attendant l'incorruptibilité céleste. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif. Persécutés, les chrétiens, de jour en jour, se multiplient toujours plus. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas permis de déserter. Comme je l'ai dit plus haut, leur tradition n'a pas une origine terrestre. Ce qu'ils professent conserver avec tant de soin n'est pas l'invention d'un mortel, ni ce qui est confié à leur foi, une dispensation de mystères humains. Mais c'est en vérité le Dieu Tout-Puissant lui-même, le Créateur de toutes choses, l'invisible, Dieu lui-même, qui, l'envoyant du haut des cieux, a établi chez les hommes la vérité, le Verbe saint et incompréhensible, et l'a affermi dans leur cœur. C'est magnifiquement écrit, c'est une poésie et d'un lyrisme. C'est là que je vous parlais tout à l'heure de ces avocats qui défendent leurs clients avec une telle éloquence qu'on en est tout attendri. Et les critiques littéraires ont dit que c'était là la perle de la littérature chrétienne de cette époque. Je pense en effet que cette traduction excellente vous le fait sentir, mais en même temps... Imaginez ce qu'un Marc Aurèle, ce qu'un bon Romain, dont tout l'avenir et dont tout le salut est dans la permanence et la survie de sa cité, peut ressentir lorsqu'il lit une telle défense. Car enfin, ces bons citoyens se considèrent cependant comme des étrangers dans la cité. Nous avons là un aveu redoutable. Et voilà pourquoi, à partir de ce texte qui veut innocenter les chrétiens de tous les crimes qu'on leur reproche, et c'est vrai, on va retenir contre eux un crime beaucoup plus grave, qui est celui d'un incivisme métaphysique. Ils se considèrent comme étrangers dans leur patrie. Il y a des défenses redoutables. Et là, il y a encore, de nos jours, à partir de ce texte, des querelles qui ne cessent de s'amplifier, si j'ose dire. Car le dernier commentateur de ces apologistes chrétiens, qui a fait un ouvrage tout à fait intéressant sur christianisme et philosophie, études sur Justin et les apologistes grecs du IIe siècle, consacre une bonne part de son ouvrage à exploiter ce texte contre M. Maroux, d'ailleurs, qui en est le laudateur, et le traducteur est le laudateur, en disant, mais nous avons là l'aveu que, comme le ver dans le fruit, les chrétiens dans l'Empire se sont introduits pour, non pas comme des éléments subversifs, c'est bien pire, pour apprendre à se détacher progressivement de ces institutions. Et je relisais, pour autre chose, tout à l'heure du Montaigne, et je trouve dans l'apologie, dans les essais de Montaigne, livre 3, chapitre 10, cette phrase qui est une conséquence assez étonnante, une conséquence, je ne sais pas, un écho de ce texte de Diognette, où il ne le connaissait pas, Montaigne. J'ai me mêler des charges publiques sans me départir de moi, de la largeur d'un ongle, et me donner à autrui sans m'ôter à moi. Le maire de Bordeaux et Montaigne ont toujours été deux. C'est la même disposition. Seulement dans un cas, c'est une appartenance au Christ, dans l'autre cas, c'est une appartenance à soi. Mais dans les deux cas, il y a une distance soigneusement prise et gardée avec la cité dont on est dignitaire ou dont on fait partie, et son salut. Le salut de Montaigne sera dans la préservation de son moi. Le salut du chrétien sera dans son acheminement vers l'autre monde. Mais vous voyez comme il y a dans les deux cas un détachement. Renan a été le premier à souligner le venin
Il dit venin, et qu'il y a dans cette attitude Cels l'a exploité, Monsieur Joly le fait éclater, et soyez bien tranquille que quand on nous accuse d'avoir été à l'origine de la dissolution de l'Empire romain, un texte comme celui-là, si beau pour justifier l'innocence des chrétiens devant les crimes dont on les accuse devant les tribunaux, est en même temps retenu pour les accuser. Je suis désolé, ce texte est une apologie magnifique de notre foi, mais en même temps, il présente l'attitude du chrétien dans la cité comme une attitude détachée. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ce texte de... C'est l'auteur de cette épître à Diognète est parfaitement à raison. Il le présente comme ça, vous voyez bien, c'est le drame d'une plaidoirie. C'est que pour innocenter les chrétiens de tous les crimes dont on les accuse, il dit, mais nous sommes les meilleurs citoyens, nous payons nos impôts, nous faisons tous les services dont on nous demande, et d'ailleurs ça nous intéresse si peu tout ça. Nous sommes déjà d'un autre monde, alors nous n'avons pas grand-chose à faire avec les affaires pour lesquelles nous sommes poursuivis. Et d'une certaine manière, c'est la suite logique de cette absence de statut juridique qu'avaient les chrétiens. Il reprend la balle au bon, si j'ose dire, et il prend le monde païen qui l'entoure au mot. Nous ne sommes pas de ce monde. Si on gardait cette attitude complètement jusqu'au bout, si on l'exploitait logiquement, on arriverait à un tel détachement que, en effet, le chrétien dans la cité serait un étranger et justifierait en effet toutes les mesures d'exception dont ils ont été victimes. Renan d'ailleurs va jusque-là. Renan dit ce texte est accablant et justifie toutes les persécutions qui vont venir. Car les chrétiens se déclarent ainsi coupables du crime de misanthropia, d'ennemis de l'humanité, l'humanité qui est évidemment, l'homme étant un animal politique, si on se détache de la cité dont on fait partie, on se déclare ennemi du genre humain, civilisé, ennemi de la cité. L'attitude du chrétien entre son appartenance évidemment à un autre monde et son insertion dans la cité est une chose difficile, mais monsieur le recteur, au début de l'année, dans son discours inaugural, nous a apporté la solution, l'équilibre qu'il faut avoir entre la foi et le service politique, l'engagement modéré, mais nécessaire cependant, du chrétien. Mais vous voyez, par conséquent, je pouvais ce soir, étant donné que vous avez reçu dès le début de l'année les paroles rassurante et la modération nécessaire pour vous tirer du mauvais pas où je vous introduisais avec perfidie, il y a quand même là, vous voyez, dans ces apologies, rien n'est faux. Rien de ce que dit Diognète n'est faux, et tous les commentateurs habituellement renchérissent en disant comme c'est magnifique. C'est pas faux, mais c'est pas très complet. Et dans l'incomplétude de cette apologie peuvent se glisser bien des inconvénients. Et tout mon propos de ce soir a été de vous montrer, très partiel bien sûr, comment cette défense du christianisme a été présentée dans une situation abracadabrante et absurde. Car enfin, il est vrai que ce sont d'honnêtes gens qui sont poursuivis pour des crimes qu'ils ne font pas et qui se bénéficient, au sens négatif du mot, d'une absence de protection juridique. Quand ils se défendent, et au mieux, c'est pour renforcer cette immunité, cette absence de défense dont ils sont les victimes par leur statut particulier. Un mot encore pour vous dire que si le plus grand écrivain de cette période, de cette catégorie de philosophes, c'est l'auteur de la lettre à Diognète, car son plaidoyer est merveilleusement construit au point de vue rhétorique, au point de vue
poésie, élan, frisson d'émotion, qui, d'enthousiasme même, qui le soulève devant l'évocation de cette citoyenneté du ciel. Le plus lucide, le plus complet, le plus solide de ces apologistes, c'est Justin. Parce que il a su, et j'aurais voulu vous le montrer, mais il faudrait vous le lisiez, et il a su garder en présence de cet univers païen qui va se sentir menacé par le christianisme. Il a su garder, lui qui était un ancien païen, c'est un converti, professeur de philosophie. Il a traversé tous les systèmes. Il s'en est tenu avant de se convertir au platonisme. Et il a su, contrairement à cette espèce de fièvre qui généralement s'empare des convertis pour les tourner contre ce qu'ils ont abandonné, il a su garder l'équilibre entre tout ce qu'il y avait de positif dans la philosophie platonicienne, la philosophie païenne, et sa nouvelle foi. Il est celui, bien avant saint Thomas et la démarche qui va christianiser au XIIIe siècle l'aristotélisme, il est celui qui a su voir dans la philosophie platonicienne, telle qu'elle était présentée de son temps, c'est-à-dire pour ceux qui savent le moyen platonisme, non pas l'ancien platonisme de Platon, ni le néoplatonisme qui viendra après, mais le moyen platonisme du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire, en gros, la lecture normale de Platon, à quelques détails près. Il a su voir dans cette philosophie le meilleur support d'une doctrine spirituelle qui ne comporte en elle-même aucun système philosophique. Et l'accord merveilleux qui pouvait s'établir entre la foi apportée par Israël, la foi des prophètes, la doctrine surnaturelle et transcendante, pour la première fois dans l'histoire du monde, apportée par Dieu lui-même aux hommes, et l'enveloppe toute prête pour le recevoir, le support humain, philosophique, merveilleusement élaboré par l'intelligence et le génie des Grecs. Au lieu d'anathématiser, de condamner toute philosophie, parce que païenne, il a su voir qu'il y avait là, élaboré par la germination humaine, la corolle, le support où allait pouvoir descendre la grâce du surnaturel. Et il a établi dans ses apologies, et c'est en cela qu'il fait partie de ces avocats sereins qui plaident le dossier sans esquinter l'adversaire, et ni sans tellement émouvoir le tribunal qui finit par être inquiétant, il a su établir de part et d'autre la vérité du christianisme et la merveilleuse prédisposition qu'avait élaborée la philosophie grecque pour recevoir le christianisme. Il a même été, et c'est encore son mérite, jusqu'à s'apercevoir que toute la tradition poétique des Grecs, depuis Homère jusqu'aux poètes les plus récents, pouvait recevoir la doctrine chrétienne pour lui servir de support symbolique. Et c'est à sa suite et à son image que les artistes des catacombes, les artistes du premier art chrétien, ont pu très facilement couler les personnages impossibles à représenter de la nouvelle religion, si je peux dire, de la religion surnaturelle et transcendante, dans les modèles artistiques de l'art grec. Et ainsi, on a vu apparaître notre Seigneur sous les traits surprenants, mais il n'y avait qu'un peu de plus à lui donner, d'Apollon, d'Hercule, sous différents symboles, sous différents aspects, et c'est tout l'art chrétien primitif qui se trouve ainsi justifié. Justin est celui qui a été le premier à avoir établi un pont artistique, esthétique, philosophique, intellectuel, entre la foi dont il n'a rien renié et l'héritage grec dont il était, en tant que professeur de philosophie, le meilleur dépositaire et le plus fidèle aussi. Et si vous lisez l'édition et les commentaires qu'en a apporté l'abbé Wartel
Vous verrez à quel point il développe ce que je peux simplement vous préciser ce soir, comme un émerveillement ininterrompu. Et on comprend que devant cet accord mutuel, les intellectuels païens aient été inquiets, et comment Cels, par exemple, a réagi avec la vigueur que je disais. D'où un malentendu qui va malheureusement aller s'accroissant. Tout pouvait s'entendre et tout pouvait s'arranger à l'époque où Justin a présenté sa première apologie. L'accord pouvait se faire. L'accord réalisé 10 siècles plus tard par saint Thomas avec Aristote était tout prêt à se réaliser avec Justin et Platon. Les événements se sont malheureusement inclinés d'une autre manière, et on va arriver dans les 2 siècles qui vont suivre à un ruissellement de sang épouvantable et un malentendu qu'il faudra 10 siècles pour réparer.